19e est relégable, Nîmes compte 2 points de moins que Nantes barragiste au moment de recevoir Lyon 4e, toujours dans la course pour retrouver le podium avec Monaco 1 point devant. Les Crocos se sont donné le droit d'espérer en s'imposant 3-0 à Metz. Le week-end dernier, l'OL dans le même temps a signé un large succès, 4 buts à 1 face à Lorient. Les hommes de Rudy Garcia restent sur 4 victoires lors des 5 derniers matchs. Une seule victoire, c'était face à Lille, à domicile. Les Gones sont surpris en tout début de rencontre avec cette passe mal assurée qui profite à Moussa Koné. Et Nîmes qui punit dans l'immédiat cette passe plein axe de Marcelo. Mais les hommes de Rudy Garcia ne vont pas être menés bien longtemps. 3 minutes après le but de Koné, Lucas Paqueta égalise. C'est bien appuyé, bien placé de la part du Brésilien pour tromper Baptiste René. Et l'OL sur sa lancée va dérouler. Memphis Depay est alerté par Dubois et vient tromper au premier poteau René. 20e but de la saison pour Memphis Depay, impliqué sur 13 buts lors des 13 derniers matchs, 9 réalisations, 4 passes décisives. Memphis Depay qui veut finir en beauté, lui qui partira libre la saison prochaine. Lucas Paqueta a signé un doublé à la 24e minute, 9e réalisation pour Lucas Paqueta, la résurrection pour le Brésilien, lui qui n'avait marqué qu'un seul but en 2 saisons au Milan AC. 3 buts à 1 à la mi-temps pour les Gones qui ont fait le travail pour l'instant en espérant que Monaco trébuche face à Rennes pour retrouver le podium. Cela fait 23 ans que l'OL n'a plus connu 2 ans d'affilée sans Ligue des Champions. Et les Lyonnais aimeraient éviter ce scénario et continuent d'attaquer avec cette action d'école. Depay pour Paqueta qui trouve entre 2 joueurs nîmois idéalement placés. Oussem Aouar, 4 buts à 1, 7e but de la saison pour Oussem Aouar. À 55e minute, les Lyonnais comptent 3 buts d'avance et un petit relâchement avec Maxence Cacré qui se fait subtiliser le ballon. Et le doublé pour Moussa Koné. 9e but pour le Sénégalais. Et à l'heure de jeu légèrement dépassée, Nîmes revient à 2 buts. Mais les Lyonnais sont supérieurs et les nouveaux entrants vont s'illustrer. La passe décisive de Cherki pour Slimani à 3 minutes de la fin. 3e but pour l'Algérien. 5 buts à 2, ce sera le score final. Large succès de l'OL qui reste 4e. Monaco s'étant imposé face à Rennes avant d'aller à Lens. Les Gones pour leur part recevront Nice. Les larmes des crocodiles qui avec ce revers évolueront de nouveau en Ligue 2 BKT la saison prochaine, 3 ans après l'avoir quittée.